Bonjour à tous, on se retrouve pour une émission spéciale de Tous au Stade à l'occasion des fêtes de fin d'année pour faire le bilan à mi-saison du Stade Brestois en Ligue 1. Pour m'accompagner sur ce plateau, deux commentateurs de choc, le tandem de TBO aux commentaires de match. Hein. C'est bien sûr Jackie Le Gall d'un côté, Hervé Hugo de l'autre. Bonjour messieurs. Bonjour Anthony. Bonjour Anthony. Alors est-ce que vous vous rendez compte, on est déjà à la trêve? Non. Non, parce que ça passait tellement c'est vite. C'est ça. Par contre, c'est notre best-of, en tout cas. On appelle ça plutôt un best-of. Oui, un best-of, parce qu'il y a beaucoup de bons moments à Brest. Présenter aux téléspectateurs. Il y a aussi des petites choses qu'on va expliquer, ce qui a peut-être été un peu moins bon, mais globalement, quand même, c'était satisfaisant. On va voir tout ça, on va revoir les images de match, et puis en deuxième partie, un bêtisier, voilà, parce que c'est les traditionnel. Fêtes. Hein. Alors, quand même, juste précision, voilà. Cette émission est enregistrée avant le match de Montpellier. Voilà, il manque le match de la 19e journée, mais on a déjà les 18 premiers à évoquer. C'est déjà pas mal. Tout le monde après, hein. Voilà. Alors on va peut-être commencer, avant de revoir les images, par replacer un peu le contexte de l'été. Hein, on se rappelle évidemment la montée du Stade Brestois en Ligue 1, mais il y avait pas mal de questions qui se posaient, notamment autour du nouveau coach, autour des nouveaux joueurs, Jackie a intégré dans le projet. Oui, parce qu'en règle générale, une équipe qui monte ne change pas de coach. Là, vous connaissez probablement le scénario. Jean-Marc Furlan, qui va partir 3 ans à Auxerre, préfère signer Auxerre que de faire une année ou deux supplémentaires à Brest. Et Olivier Dalloglio, qui s'est illustré avec Dijon, en maintenant le club de Dijon 4 ans en Ligue 1 et son président s'en être séparé à la trêve de Noël il y a donc juste un an. Eh bien, changer de coach, changer une partie de l'équipe et arriver en Ligue 1, c'était quand même un pari qui n'était pas facile à faire, qui n'est pas complètement gagné, mais qui est quand même réussi avec, entre autres, le recrutement et l'intégration d'un certain nombre de jeunes et de jeunes en devenir arrêt. Oui, c'est un sacré pari, parce que déjà, monter en Ligue 1, même quand on reste en Ligue 2, changer d'entraîneur, ou quand on reste en Ligue 1, c'est toujours une gageure, c'est toujours un pari. Là, grimper à l'échelon supérieur en changeant de coach, et comme tu l'as dit, beaucoup de joueurs qui découvraient, ceux qui sont restés aussi, beaucoup découvraient la Ligue 1, et puis tu l'as dit, des joueurs qui arrivent, plutôt jeunes aussi, quelques joueurs expérimentés, mais ça fait que, on va dire, on pouvait se poser des questions sur la façon dont la mayonnaise prendrait, et... C'est normal parce que Olivier Dalloglio est dans le Dijon, elle a pris. Voilà. C'est plutôt la moutarde. C'est plutôt la moutarde à Dijon. C'est plutôt la moutarde. Mais bon. C'est vrai que bon, ça a pris un petit peu de temps, mais c'est logique et je pense qu'on va voir que ça a pris. Et ben, regardons justement les deux premiers mois de compétition, août et septembre. Voilà, pour les deux premiers mois de compétition. Alors, quand on regarde les chiffres, une victoire, 5 nuls, 2 défaites, on va dire que c'est plutôt encourageant. Oui, sauf que, effectivement, ça fait à la fois beaucoup de nuls, et il y a un grand regret, c'est notamment contre Toulouse, ce but pris à la 85e, il aurait pu être évité.
Bon, c'est peut-être là où il y a le plus gros regret, parce que aller faire nul à Nice, à Saint-Etienne et à Bordeaux, au contraire, c'était une réussite, contre Rennes aussi, mais je pense que, Hervé, contre Toulouse, là, puis c'est quelque chose qui, aujourd'hui, normalement, n'arriverait plus. C'est l'apprentissage, c'est le premier match, tout le monde a ses petits souliers au coup d'envoi, et un petit peu pris par l'événement et l'ampleur de la chose, et effectivement, comme tu dis, un but à la 86e, je pense que, si, il marquerait peut-être à la 86e, il en aurait déjà 3-0, quoi. Je pense que ça ne se reproduirait plus, on a appris de ces erreurs, il faut les commettre, hein, j'ai envie de dire, faut mettre le nez dedans, et je pense que maintenant ça irait beaucoup mieux à ce niveau-là. Voilà, en tout cas on a déjà vu du jeu en ce début de saison, pas encore beaucoup de points, mais ça va venir. Regardez le mois d'octobre. Irving Cardona, concentré, il va essayer d'apporter sa vivacité. Allez, Duchamp là pour Cardona, s'il peut reprendre. Oui ! Oh oui ! Le but de Cardona ! Super ! Le but de Cardona, il vient de rentrer, il marque ! Mois d'octobre réussi donc, avec que des victoires, et puis on l'a vu, cette cinquième place au classement, tout allait bien là. C'est incroyable. Si on se rappelle, en 2010, l'année où on monte avec Alex Dupont, fin octobre, on était premier devant Saint-Etienne, Paris Saint-Germain et autres. Bon, après c'était difficile pour le retour, mais c'est vrai que là il y a satisfaction parce qu'il y a trois victoires de rang, donc ça rattrape les erreurs entre autres commises dont on parlait avant, et puis j'ai envie de dire que peut-être on a vu le plus beau but de la poule aller avec cette reprise de Paul Lannes, exceptionnelle. C'est magnifique, c'est un moment de grâce. On a évoqué tout de suite la reprise de volée de Zizou en finale de Ligue des Champions. Alors, c'est pas le même niveau, mais c'est ce geste-là qui... Ça peut partir à 3 km dans le ciel et faire un but extraordinaire. Et c'est vrai que Paul Lannes, là, en plus, les Brestois le découvraient aussi et se sont dit waouh, sacré joueur. Et puis, aussi, donc, Cardona, il rentre et il marque. Hein, et c'est la seule victoire à l'extérieur de la poule année. Sacré hold-up ce soir-là. Sur les trois matchs, pas but encaissé. En plus, on bat des concurrents directs au maintien. Bref, c'était le bon mois. Ouais, mais c'est Dijon. Alors, mois de novembre, ensuite, on va voir, c'était un peu plus compliqué. Hein. On regarde tout de suite les images.
Voilà, mois de novembre plus compliqué avec des défaites, mais quand même contre des adversaires de haut niveau, hein, Marseille, Paris Saint-Germain. Brest n'a pas été ridicule, en tout cas, sur ces matchs-là. Oui, avec quelques regrets, parce qu'à Marseille, bon, faut être honnête, hein, pendant 80 minutes, on pouvait en prendre 3 ou 4, il n'y avait strictement rien à dire. Sauf que, bah, il y a eu un pressing constant, souvent quand c'est comme ça, un relâchement. Olivier Deloglio fait un changement offensif en faisant rentrer Alex Mendy, on égalise. Mais alors, sur l'engagement, être passif comme ça, c'est une faute, parce que ça aurait été un hold-up, mais ça aurait été un nul au Stade Vélodrome. C'est typiquement le rôle d'un milieu relayeur d'expérience, quelqu'un qui a 34-35 ans et qui, comme on le disait en off, fait une faute qu'on appelle une faute utile, prend un jaune ou un rouge. Voilà, c'est... Et tu reviens avec un point. Avec un point. C'est vrai qu'il faut avoir de la bouteille, il faut avoir de l'expérience, et ça s'acquiert avec le temps. Ça fait partie du jeu. Il y avait aussi le nul contre Nantes, hein, quand même, dans ce mois-là. Tout à fait. Et donc, il reste le mois de décembre avec les 3 premiers matchs. On va découvrir ici tout de suite, hein, et notamment celui contre Strasbourg. Voilà qu'il a raison de prendre sa chance, oh my bien God, sûr. On disait. Yes. Allez, vas-y, prends ta chance. Oui. Quelle lucarne. Allez, donne le ballon. Voilà. Non, il est pas en jeu. Oh, superbe. Le hat-trick. Le cadeau, le cadeau. le cadeau. Voilà, donc le classement Brest 15e. Après 18 matchs, on vous l'a dit, il manque le dernier match de la phase aller contre Montpellier. On se retrouve juste après une pause de pub. Atlantique Distribution Automatique vous propose une large gamme de produits de grande marque et de qualité avec une offre complète de distributeurs, de fontaines à eau et de machines à café. Que vous soyez une grande ou une petite entreprise, nous vous garantissons un service de proximité. Atlantique Distribution, créateur de plaisir. Vous cherchez un crédit immobilier? Avec moncourtiercrédit.com, c'est toujours 0 euros de frais de courtage. Les meilleurs taux du marché? Une réponse sous 48 heures. Avec moncourtiercrédit.com, gagnez du temps et de l'argent. Zéro stress pour vos crédits, conso, auto, travaux. Contactez-nous dans une de nos 7 agences ou en ligne sur notre site. Retour sur le plateau de Tous au Stade pour faire le bilan de la première moitié de saison du Stade Brestois 29 en Ligue 1. Alors messieurs, on a vu les images en première partie d'émission. Un petit commentaire global peut-être sur cette première moitié de saison. Qu'est-ce qu'on en retient? Quels enseignements on peut en tirer pour la suite? Entre autres, on voit que les dirigeants ont mis aussi un petit peu ce qu'il fallait en termes de recrutement, notamment au niveau des jeunes. Ça tient la route. Ça tient la route, voilà, exactement. Il y avait quand même, on disait au début de l'émission, cette crainte, hein, en montant en Ligue 1 et de faire ce choix-là.
dire aussi que le centre d'entraînement a lui-même progressé avec le nouveau terrain d'entraînement, voilà, qui était un vrai besoin parce que, en fait, quand il pleut pas à Brest, ça va, mais comme il a très peu plu depuis octobre-novembre, heureusement, mais je veux dire heureusement que justement ce terrain était là parce que sinon, c'est je sais pas où ils auraient été s'entraîner. Et puis peut-être un petit mot sur les joueurs. On a vu un Johan Cour resplendissant, 7 passes décisives, un Larssonneur magnifique dans les buts. Ouais, Larssonneur, qu'est-ce que tu retiens, Hervé ? 75 arrêts en Ligue 1, Larssonneur depuis le début de la saison. On record pour un gardien dans les 5 plus grands championnats européens. Record. Larssonneur, avec 75 arrêts, il a 6,06 de moyenne en France Football. Il est le premier gardien français de Ligue 1 devant Mandanda 5,94 et Gomis de Dijon 5,92. Excusez du peu. Bravo. Et la qualité des arrêts. Et la qualité des arrêts. Non, mais s'il a 6,06, c'est que voilà. Et 75 arrêts. Donc, pourvu que ça dure. Oui, oui. Voilà. Et qu'il ait un peu moins de travail, c'est pas trop grave. Oui, aussi. Sinon, marque. Mais voilà. On a un super gardien. Bravo à toute l'équipe, en tout cas. Alors, messieurs, là, on était sérieux, mais on rigole aussi de temps en temps, parce que le foot, on le sait, hein, on peut s'amuser aussi. Et on n'est pas les derniers hein, pour ça, vous le savez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder un petit bêtisier. Et puis, quand on commente, on est toujours en direct. Hein. Ah, toujours, voilà. On commente en direct, même si vous nous voyez en différé. Voilà. Donc, des fois, on se trompe. Et puis, on garde ça de côté, puis on les diffuse après. Alors, on vous propose le bêtisier de Noël. C'est parti. Maintenant. Toi, t'es en costume. Tous les joueurs sont en costume. Nous, on a un beau comptoir. C'est ça la Liga ? Ouais. Ah mais tiens ton micro. Il fonctionne. Ouais. Alors, c'est la pause fraîcheur. Parce qu'il fait quand même dans les 25 à Brest, à 27 degrés ce à soir. Brest, on est à Brest. Hein. Oui, oui, bah, je sais pas, on peut rêver. Hein. Regardez-moi ce ciel rose. J'aime beaucoup quand on dit ça, quand je regarde la tête à côté de nous de Tobias qui est de Toulouse, il nous regarde des gros yeux, de quoi vous me parlez. Bah, on peut le ciel rose, il est beau. As-tu accouché de soleil comme ça à Toulouse, surtout à ce soir-ci. Pour le plus Castellane. À Toulouse, c'est les briques qui sont roses. Et pour le plus Castellane que tu es, tu apprécies la rade. C'est vrai, magnifique. Tu es pressé ou tu es blessé ? Pressé. Et nous, c'est du rapide, non ? Pas du 10 minutes. Tu es au téléphone ou pas ? Oui, si tu veux. Non, bah tiens, je me dis qu'il est pressé, mais téléphone. Bon, donc un bon point. Un bon point. Voilà. Et ben, t'es pressé, tu le dis. Bon, je suis pressé. Alors. Allez, salut. Merci, Mathias, c'est à la prochaine. Et prochain invité également. On va terminer avec le référent père Urgo. Hugo, pardon. Tout c'est un lapsus. Et puis Tomayas, notre consultant, pour vous dire au revoir. Non, mais je reprends juste ça. Tu dis et maintenant. Voilà, on va voir la fois quand on fera la zone mixte avant la conclusion avec. D'accord. Comme ça, tu coupes après. Juste là, ici, derrière. Juste là-bas avec ce petit Joe là. On est ensemble, la famille. Les deux petits. La famille nain. Quasiment tout décidé. Oh, c'est belle la vie. Tout dit. Ouais. Ah, il me répond. Ah, crise. Voilà, dis-moi, c'est qui votre chouchou là ? Ah, Belkebla quand même. Belkebla, c'est le chouchou de notre cœur, franchement. C'est le seul et l'unique. Bon, maintenant, il y a Perrault aussi, vu qu'il va arriver. Oh, bah, oui. Parce que si c'est que des matchs nuls, même si c'est qu'un point, voilà, ça reste de bons résultats. Oui, on a 8 points en 7 matchs. Donc, on a un rythme. C'est Siri qui... Siri veut aussi faire le consultant pour TBO et donner son avis. Ça suffit, on t'a pas parlé du classement. C'est moi le classement. Excusez-nous. Dans la circulation du ballon, oui, c'est pas mal du tout. Encore un gros tacle, cette fois la faute est brestoise. Et il semble toucher Romain Thomas. On va suivre ça quand même. Oh là oui. Ah oui, non, c'est l'arcade. La tête en sang. Il a dû prendre la jambe, le genou. Ouais, probablement. On l'aura pas bien vu sur le moment. On va certainement le revoir au ralenti. Au changement. Non, j'ai pris l'avant-bras de Charbon. Il m'a niqué, tu vois. Le dernier, la semaine dernière, je vais niquer. Alors, j'ai eu un petit message ici que j'ai envie de te montrer parce que je le trouve très mignon. D'une supportrice, plutôt que de pédaler dans la choucroute, il faut se servir des pâtes carbonara.
C'est mignon, ça. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bien trouvé. Bien trouvé. C'est Arman, sûrement une supportrice, qui nous envoie ça. Tu vois. Alors, attention, parce que j'ai une indiscrétion qui m'est venue là du vestiaire. Il paraît que tu as mal au postérieur. Peux-tu nous en donner la raison? C'est un coéquipier qui me dit ça, je tirais le nom, bien évidemment. Non, c'est faux, c'est faux. J'ai mal un peu au genou, mais... C'est quoi, alors? Pourquoi je me suis trompé, je pense. Non, c'est rien, c'est rien. Il était affirmatif, hein? Non, c'est rien, c'est rien, non. C'est des conneries. C'est conneries vestiaires? Ouais, c'est des conneries vestiaires. Bon. Vraiment, c'est d'en rester au vestiaire. Tu sais pas qui m'a dit ça, évidemment. Au traite. C'est lui. Voilà. Bon, en tous les cas, ça montre qu'il y a... Voilà, que ce groupe vit bien. Singing in the rain, what a glorious feel, and I'm happy again. Oh, Charbot, ce qu'il a fait là. Ah ouais, bah, ouais, mais par contre, ça revient. Hein. Allez. Voilà, en tous les cas, ça s'enchaîne. Allez. Oh, Charbot. Ah ouais. Et oui, faute de Endoram. Il va la de Endoram, total régalade. Ah, le réalisateur. Ouais, je crois qu'il aime bien. Ouais. Et encore, c'est presque Pekeblin qui le gêne un petit peu, paradoxalement. Ouais, c'est un double contact derrière. Des roulettes, double contact, c'est pas mal. Si tu avais été acteur, tu serais... Will Smith. Yeah. Et si justement il y avait un pas de danse JC Castelletto, ça donnerait quoi? Alors là, mais on dit Will Smith, t'es obligé de me faire une démo. Mais non, je peux pas faire de démo. Non, je peux pas faire de démo, si. Mais... Tu le fais trop bien. Génial. Merci beaucoup. Bon Greg, question traditionnelle, ça a beau être Halloween, on a beau être déguisé, le pronostic pour le match de ce soir? Bah moi c'est une rencontre sanglante, donc on va dévorer l'équipe de Dijon. Voilà, tout simplement 2-0. 2-0, bon, 2-0, on signe tout de suite. Ça reste ouvert pour la deuxième mi-temps, et effectivement, allez, on va se coiffer pendant la mi-temps. Jeter un sort, oui, surtout au Dijonais. Comment? On va leur jeter un sort vu qu'on a des chocolats. Oui, eux qui n'ont jamais perdu à Brest. Mais il reste encore une mi-temps. Voilà. Et victoire du Stade Brestois, 2-0. C'est Guirassy hein, qui est chargé d'exécuter ce pénalty. Il est parti et c'est arrêté. Gauthier, bien joué ça. Mais on peut pas dire qu'il est tiré fort. Hein. Non, il a voulu bluffer un petit peu là, Guirassy. On peut dire, regarde, enfin, il y a le tir. Ouais, mais il est malin, Gauthier. Ouais. Vous le reconnaissez ou pas? Vous savez, le petit qui est toujours à côté du coach de Paris. Hein, ah, j'ai une belle cascade. Tu m'as toujours connu qu'une cascade sur un terrain, ouais, je ne change pas. On a profité du spectacle surtout, mais on a quelques petits regrets au niveau, de, au niveau du match, alors que la lumière revient. La lumière fut. Et la lumière fut. Bon, avant de retrouver Christian Bourcuff, on se fait un petit casse-croûte, Jackie. Allez. Bonjour, mesdames. Bonjour. Elles sont bonnes, vos galettes saucisses, on peut y aller. Allez. Voilà. Tiens, bah attends, voilà. Ah oui, tu as raison. Voilà. Merci beaucoup. Ah, ça va? Tu vas bien? Ah, bien évidemment, il la connaît en plus, Hervé. Mais qui ne connaît pas Hervé? Alors moi, j'ai une anecdote sur lui, vous n'allez pas me croire. Quand il a fini sa carrière, c'est ce qu'il faisait. Il ouvrait une crêperie avec sa femme et il servait des crêpes. Et il a appris à faire des crêpes bretonnes. Vrai, Laurent? C'est vrai. J'ai fait des crêpes bretonnes. Bon, c'était un peu difficile parce que c'est pas les mêmes crêpes qu'en Provence. Hein. Voilà, il fallait mélanger plusieurs ingrédients, mais j'ai appris à faire les crêpes. La pâte, j'ai lâché, j'ai tourné comme ça et tout. Donc, quand je vais venir à Brest, je vais vous faire des crêpes bretonnes. Vous allez voir.
quel est le maillot que tu vends le plus? Ah, le plus, ça sera le maillot domicile, sans incontester, enfin sans incontestable. Sans incontestable, c'est non, le maillot. Incontestablement, attends, on l'a refait. Quel est le maillot que tu vends le plus? Incontestable. Là, c'est le bêtisier TBO, là. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce match entre le Stade Brestois et l'OGC Nice. Alors, qui dit match de Il découvre le climat. On lui a dit qu'il fallait mettre une capuche aussi à Brest. Pareil. Oh purée. Sa tête au guidon. Oh là, bah tiens. Il avait jamais vu ça. Après, ils vont dire qu'il pleut chez nous. Oh là là. Il avait jamais vu ça, mais on aurait dû lui dire. Hein. Qui vivra, vivra. Oh. Ah, tu es très très en forme là. Ouais, c'est pas mal, j'ai pas mal d'inspiration. Je trouve que tu vogues au-dessus de l'eau ce soir. Ah oui, oui. Après la douche en première mi-temps, c'est le bain en deuxième mi-temps quoi. C'est con, ça marchait pas. Oui. On était pas. On va la refaire. Ouais. Je suis énorme. Voilà, quelques images hein, rigolotes, et puis voilà, on est toujours content aussi de les revoir, on a bien rigolé. Oui, complètement, puis elle était sympa cette dernière image, et ça représente les jeunes qui viennent au stade, les anciens, tout ce monde qui vient avec plaisir à Le Blé. Bon, messieurs, il est déjà l'heure de conclure. C'est vrai. Hein. Alors, on va peut-être donner simplement les prochains rendez-vous au mois de janvier, beaucoup de matchs. Ça commence par la Coupe de France, Jackie, le dimanche 5 janvier à Lorient. Oui, repose-toi bien pendant les vacances, Anthony, parce que quand on est chargé, le dimanche, donc pré-dimanche de janvier à 14h15 à Lorient, Coupe de France. Probablement, le mercredi, ce sera à Lyon en Coupe de la Ligue, avant d'aller à Toulouse. Le mercredi à 18h45. Ça, c'est fixé. L'horaire est fixé. Bon, et ensuite, ce sera très probablement le samedi à Toulouse. Voilà. Trois déplacements en une semaine. Pour commencer, il y a intérêt de bien digérer le réveillon pour être taqué. Bon, et ben en tout cas, on vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve bien évidemment en janvier pour commenter tout ça ensemble. Et on remercie toutes les équipes de TBO bien sûr, qui nous sont à la technique, qui nous accompagnent tout au long de l'année. Merci à tous. Bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt. Au revoir.